Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à eSport WRC, troisième et dernière vidéo consacrée au groupe B. Vous avez déjà vu les groupes B 4 roues motrices, hein, les fameuses Delta S4, Audi Quattro et autres 205 Turbo 16. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux propulsions, donc, puisque oui, il y avait des groupes B en propulsion, hein, notamment la BMW M1 que vous voyez là sur l'écran, la 037 et d'autres. Donc, je vais aller faire ça sur une spéciale en asphalte en Croatie, la spéciale de Krasix. Je crois que je prononce bien, je parle pas croate. Donc, on va aller voir ces voitures. Ensuite, go pour la Croatie. Alors, 4 voitures dans cette catégorie groupe B propulsion, hein, voilà, la M1 Procar, qui n'était pas à proprement parler une voiture de rallye, puisque le groupe B, c'était un groupe qui roulait aussi en circuit. C'est-à-dire que c'était pas les voitures de rallye, hein, mais bon, c'était des voitures comme ça. La Ferrari 288 GTO, par exemple, était homologuée en groupe B. Bon, après, mi-86, on leur a coupé les ailes, donc il n'y a plus de groupe B ni en circuit, ni en rallye. Et donc la M1 était, voilà, était pas assez préparée pour le rallye. Mais bon, c'était plutôt une voiture typée, très typée circuit. Moi, je l'ai vu les deux années où il y a eu les grosses groupes B autour de Corse, en 85 et en 86. Je l'ai vu rouler, et elle n'a pas roulé très longtemps. Hein. Je crois qu'il y avait Darniche à son volant et Bernard Béguin. Et elle n'a pas roulé très longtemps. Elle a fait quelques spéciales et puis elle a rapidement abandonné. Bon, mais par contre, elle est puissante. Hein. 430 chevaux et elle fait 1150 kg. Après, il y a évidemment la 037, hein, qui elle est plus légère, mais moins puissante, fait 100 chevaux de moins, qui était une voiture aussi du groupe B à propulsion, à deux roues motrices, et qui a été championne du monde, hein, d'ailleurs, aux mains de Walter Rohrs, je crois. Il y a ensuite l'Opel Manta 400, qui elle est encore moins puissante, puisqu'elle fait 280 chevaux, qui a succédé à l'Opel Ascona 400 et qui était piloté normalement là aussi par Bernard Béguin et par Guy Fréclin en championnat de France, et évidemment une Porsche, hein, Porsche 911 SC RS, 290 chevaux, le 6 cylindres en porte-à-faux arrière, le 6 cylindres à plat et un poids de 960 kg. Hélas, il n'y a pas la Renault 5 Turbo, enfin la Maxi 5. Il y a une Renault 5 Turbo LIM, mais c'est pas une groupe B. C'est une groupe 4, donc il faut savoir qu'il y a eu 3 déclinaisons de la R5 Turbo, compétition usine et compétition client. La première version, dénommée Seven, était une groupe 4, et les deux versions qu'il y a eu ensuite, c'est-à-dire la version Tour de Corse, dénommée Tour de Corse, était une groupe B, et la version dénommée Maxi était elle aussi une groupe B, c'était la plus puissante qui faisait 350 chevaux. Bon, allez, on va commencer dans l'ordre, hein, avec la M1, la BM et, je vous l'ai dit, sur la spéciale de Krasix en Croatie. Alors, le setup de cette BMW M1 pour la spéciale de Krasix. Donc, ouais, bon, bref, c'est pas grave, allez. Préparation du véhicule, réglage, alignement, voilà, zéro, là, pas de massement, pas d'ouverture. Un peu plus de carrossage derrière, hein, un gros moteur derrière, hein, puisque le 6 cylindres BMW en ligne, ouais, il pesait son poids quand même, hein, c'est un gros moteur. Le freinage, comme d'habitude, le frein à main, ouais, j'ai eu un peu moins qu'à fond, même si je ne vais pas l'utiliser, je vous dis franchement, j'ai augmenté la force de freinage aussi. La boîte, pas touchée, le différentiel, pas touché, le différentiel réglé très fort, hein, comme vous le constatez, donc j'ai pas touché, ça me convient. Amortisseur, évidemment, hein, amortisseur très dur, hein, vu que c'est sur l'asphalte. Et garde au sol très basse, ressort dur devant, un peu plus souple derrière, et grosse barre anti-roulis devant et derrière. Allez, c'est parti. Direct 90 mètres, gauche 3. Et on marche les phares, qu'on puisse voir les compteurs. Ah, les phares se lèvent pas. Bon, les phares se lèvent, hein, sur la BMW M1. Ah, j'adore le bruit du 600 lignes BMW. 5, 4, 3, 2, 1, top, 90 mètres. Gauche, 3, tard, plan, ouvre et ferme. 160 mètres. Droite, 3, et long, ouvre, pour gauche 6, frein. Pour droite, 1, tard, 90 mètres. Gauche, 2, long. 40 mètres, droite 4, pas corde, dans gauche 5, pilon, dans droite 4, pas corde, droite 5, 50 mètres. Oh, j'arrive mal là. Gauche, ça va, je m'en tire bien. 30 mètres, attention, droite 3, et
40 mètres. Gauche, sur ciel, 40 mètres. Gauche, 4, Milon, pas corde, 40 mètres. Droite, 6, gauche, 6, 80 mètres. Soulage, droite, 5, ferme, 30 mètres. Gauche, 1, Milon. 90 mètres, droite 5, ferme, pour gauche 3, pas corde, 30 mètres, droite sur ciel, 120 mètres, soulage. J'aime un peu vite. Attention, droite, ça va. Long, 6, qui referme. On dirait bien. 80 mètres, gauche 6, mi-long. Pour droite 5, bref, 60 mètres, droite 4, ouvre, 100 mètres. Attention, droite 3, sur ciel, mi-long, 80 mètres. Droite 4, ferme, 40 mètres. Putain, je suis au point mort. Je reviens de loin là aussi. Hein. 30 mètres. Gauche, oh, oh, oh. Tard, 70 mètres. Gauche, léger, 60 mètres. Oh, oh, oh. Soulage, gauche, léger. Délicat là. Mètres. Droite 4, reste intérieur, 70 mètres. Tard, gauche, 3, bref. Pour droite 6, 80 mètres. Frein, droite 5, 30 mètres, gauche 4, bref, ferme, pour droite léger, 80 mètres, droite 4, long, 3 qui referme, long, et gauche 5, il referme long, bien celui-là, qui referme, reste intérieur, pour droite léger, 90 mètres, droite 3, long, ah, on avance, 6, pour gauche 4, tard, ferme, droite 3, bref, pour gauche 2, ferme, 50 mètres. Droite 2, long, ouvre, 50 mètres. Gauche, léger, bref, 60 mètres. Soulage, droite, 6 sur ciel, long, pour ciel, 60 mètres, ouvre, épingle gauche. 60 mètres. Alors, j'ai essayé le frein avec cette voiture. Droite, ça léger, marche pas du tout. Pour gauche 6, ferme, droite 3, 60 mètres. Gauche 4, sur série de bosses, 50 mètres. Droite 4, bref, 30 mètres. Gauche 3, bref, 60 mètres. Je l'ai effleuré. Gauche 5, reste intérieur. Ouh, belle glissade là aussi. Droite 4, pour gauche 3, 30 mètres. Droite 2, bref, 60 mètres. Gauche 5, ferme, 80 mètres. Ouf. Gauche léger, bref, 180 mètres. Soulage, gauche 6, très long, 3 qui referme, 40 mètres. Droite 3, mi-long, 90 mètres. Gauche 5, ferme. Pour droite 2, bref, 50 mètres. Gauche 2, bref, 30 mètres. Droite léger, pour droite 3, bref, 30 mètres. Gauche 4, ouvre, 30 mètres. Gauche 4, 40 mètres. Droite léger, pour ciel. Dans gauche 6, dans droite 4, 250 mètres. Gauche léger, pour droite léger, soulage 90 mètres. Gauche 1, long. 40 mètres, équerre. Au freinage là. 60 mètres. Gauche 4, bref sur ciel, 90 mètres. Droite léger, extra long. 60 mètres. Droite 4, bref, sur arrivée. Ah, je passe à fond, hein, c'est l'arrivée, ils sont contre la montre. Okay. Ah, je vais la casser. Bing. 28,7. Oh, une porte. Bon, pas mal. Mais ça glisse pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas. Au niveau glisse, c'est pas extraordinaire, hein. Je pensais que ça glisserait plus. Fais voir un peu classement. Ce que ça dit. Je cherche la souris. Voilà. Je cherche le pointeur. Hey, sur combien? Hey, 50. Sur 50, premier. Premier avec la. Il a combien? Où? Il a 5 secondes. Toi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc extraordinaire, hein. Bon, allez, on va passer à la 037 maintenant. Hey, le setup de la 037. Bon, là, pareil, hein, un peu comme la M, hein. Par contre, là, j'ai mis à 0, bah, je trouve qu'elle glisse pas beaucoup de l'arrière, hein. Moi, j'aimerais bien me faire quelques glissades. C'est pas évident, hein, sinon, le carrossage, voilà, dû au moteur derrière, il y en a plus derrière que devant, et aux roues motrices aussi. Pincement à 0. Le freinage, toujours pareil, hein. Un gros,
Gros frein à main et augmentation de la puissance du freinage avec mon pédalier, je suis obligé. Les rapports pas touchés. Et le différentiel, ouais, peut-être que c'est là que j'aurais dû jouer un peu plus. Peut-être que j'étais trop timide sur le différentiel pour la faire glisser derrière à l'accélération. Ouais, j'ai augmenté là, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et j'aurais dû peut-être plus. Il faudrait que j'essaye. Amortisseur. Ah, je suis sur les ressorts là. Amortisseur. Ouais, dur, hein. Et j'ai durci, j'ai mis plus dur derrière que devant là. Pareil, hein, pour essayer de faire dériver l'arrière, mais pas moins. Elles sont un peu trop collées au sol, ces propulsions. Et les autres aussi, hein. La M3, pareil, hein, ouais, la garde au sol est un peu plus haute derrière que devant. Mais voilà, ressort dur, hein. Grosse barre anti-roulis. Et curieusement, pas de réglage de barre anti-roulis derrière. Bon, d'accord. Voilà, allez, on va essayer comme ça. Direct 90 mètres. Allez, en avant pour la 037, comme ils disent les Italiens. Ah, le bruit typique là aussi de ce moteur compressé. 5, 4, 3, 2, 1, top, 90 mètres. Gauche, droite, tard, long, ouvre et ferme. 160 mètres. Ouais, il y a moins de watts que dans la M1, évidemment. Droite, il y a 100 chevaux de moins. Pour gauche 6, frein. Droite 1, 90 mètres. Gauche 2, long. 40 mètres. Droite 4, 20 cordes. Dans droite 4, 20 cordes. Droite 5, 50 mètres. Soulage, gauche 6, sur ciel, 30 mètres. Attention, droite 3, équerre qui referme. 30 mètres. Gauche, sur ciel, 40 mètres, gauche 4, bilan, 20 cordes, 40 mètres, droite 6, gauche 6, 80 mètres, soulage, droite 5, ferme, 30 mètres, gauche 1, bilan, 90 mètres, droite 5, ferme, gauche 3, 20 cordes, 30 mètres, droite, sur ciel, 120 mètres, soulage. Elle est bien plus maniable que la M1. Hein. 6 qui referme, gauche 4, 80 mètres. Gauche 6, Milan. Pour droite 5, bref, 60 mètres. Droite 4, ouvre, 100 mètres. Attention, droite 3, sur ciel, Milan, 80 mètres. Droite 4, ferme, 40 mètres. Gauche 4, Milan, 30 mètres. Gauche 1, tard, 70 mètres. Gauche léger, 60 mètres. Soulage, gauche léger, long, 50 mètres. Droite 4, reste intérieur, 70 mètres. Tard, gauche 3, bref. Pour droite 6, 80 mètres. Frein, droite 5, 30 mètres. Gauche 4, bref, ferme. Pour droite léger, 80 mètres. Droite 4, long. 3, qui referme, long. Gauche 5, long, 1 qui referme, reste intérieur. Un peu trop à l'extérieur. Droite 3, long. Dans droite 6, pour gauche 4, tard, ferme. Sur droite 3, bref, gauche 2, ferme, 50 mètres. Droite 2, long, ouvre, 50 mètres. Gauche léger, bref. 60 mètres, soulage, droite 6 sur ciel, long, pour ciel, 60 mètres, ouvre, épingle gauche. 60 mètres. Pas de glisser comme je voulais. Pour gauche 6, ferme, pour droite 3, 60 mètres. Gauche 4, sur série de bosses, 50 mètres, droite 4, bref, 30 mètres. Gauche 3, bref, 60 mètres, gauche 5, reste intérieur. Droite 4, pour gauche 3, 30 mètres, droite 2, bref, 60 mètres. Gauche 5, ferme, 80 mètres. Gauche léger, bref, 180 mètres. Ouais, il manque un peu de watts par rapport à la M1. Gauche 6, très long, 3 qui referme, 40 mètres. Droite 3, mi-long, 90 mètres. Gauche 5, ferme, pour droite 2, bref, 50 mètres, gauche 2, bref, 30 mètres. Droite, léger, pour droite, 3, bref, 30 mètres. Gauche 4, 30 mètres, gauche 4, 40 mètres.
droite léger, au ciel. Dans gauche 6, dans droite 4, 250 mètres. Gauche léger, pour droite léger, soulage 90 mètres. Gauche 1, long. 40 mètres, équerre droite, long. 60 mètres. Gauche 4, bref, sur ciel, 90 mètres. Droite, léger, extra long. 60 mètres. Droite 4, bref, sur arrivée, 70 mètres. Et stop. Ok. Un score de 4 minutes, 31,7. Ouais, ben je suis derrière la. Je suis derrière la M1. Hein. Et là aussi, comme la M1, hein, ça manque un peu de saveur, quoi. Ça manque un peu de glissade. C'est dommage, quoi. C'est un peu insipide. Bon, allez, on va continuer avec la grosse Manta. Allez, le setup de la Manta 400. Bon, alors, curieusement, je peux pas régler le train arrière. C'est curieux, hein. Mais bon, voilà, hein, je peux régler le carrossage devant et le parallélisme, j'ai mis un peu d'ouverture. Parce qu'elle a un peu un train avant paresseux pour l'aider un peu à entrer dans les virages. Bon, le freinage, toujours pareil, hein, aucun changement. La répartition, j'ai pas touché. La boîte, j'ai pas touché. Différentiel, ouais, j'ai durci parce que il est très mou le différentiel. Surtout le blocage et la paix contrainte, ouais, elles sont vraiment très bas, donc j'ai durci un peu. Et ça motrice un peu mieux, hein, il faut dire. Bon, les amortisseurs, c'est comme sur la Delta. Donc il n'y a pas, ces vieilles voitures, certaines, il n'y a pas les réglages poussés, c'est pas des amortisseurs à 3 voies. Je vous expliquerai ce que c'est les amortisseurs à plusieurs voies dans une prochaine vidéo. Et donc c'est plus simple à régler. Il ressort toujours pareil, hein, sur l'asphalte, voiture au ras du sol. Grosse barre anti-roulis et ressort dur. Allez, on y va. Direct 90 mètres, gauche 3, bonne chance. Oh, ce gros compte tour. Il est énorme. 5, 4, 3, 2, 1, top, 90 mètres. Gauche, droite, tard, long, ouvre et ferme. 160 mètres. Droite, 3, et long, ouvre. Gauche, 6, frein. Droite, 1, tard, 90 mètres. Putain, c'est un beau, hein. Gauche, 2, long. 40 mètres, droite 4, ma corde. Dans gauche 5, Milan. Dans droite 4, ma corde. Dans droite 5, 50 mètres, soulage. Gauche 6 sur ciel, 30 mètres. Attention, droite 3, équerre qui referme. 30 mètres, gauche sur ciel, 40 mètres. Gauche 4, Milan, ma corde, 40 mètres. Droite 6, gauche 6, 80 mètres, soulage. Droite 5, ferme, 30 mètres. Gauche 1, Milan. 90 mètres. Droite 5, ferme. Gauche 3, ma corde, 30 mètres. Droite sur ciel, 120 mètres. Soulage. Attention, droite léger, long. 6, qui referme. Gauche 4, 80 mètres. Gauche 6. Ah ouais, c'est un veau, je suis déjà à 4 secondes. Du temps de la M1. Droite 5, bref, 60 mètres. Droite 4, ouvre, 100 mètres. C'est un bateau. Attention, droite 3 sur ciel, et long, 80 mètres. Droite 4, ferme, 40 mètres. Gauche 4, Milan, 30 mètres. Gauche 1, tard, 70 mètres. Gauche léger, 60 mètres. Soulage, gauche léger, long, 50 mètres. Droite 4, reste intérieur, 70 mètres. Tard, gauche 3, bref. Droite 6, 80 mètres. Elle est facile à piloter. Droite 5, 30 mètres, gauche 4, bref, ferme, droite léger, 80 mètres. Droite 4, c'est un beau. 3 qui referme, long. Pour gauche 5, long. 1 qui referme, reste intérieur. Pour droite léger, 90 mètres. Droite 3, long. Dans ouais, 10 6, secondes. Gauche 4 tard, ferme. Sur droite 3, bref. Gauche 2, ferme. 50 mètres. Là, je me
en fumée. Droite 2, long, 50 mètres. Oh, c'est un veau. Gauche, léger, bref, 60 mètres. Soulage, droite 6 sur ciel, long. Pour ciel, 60 mètres. Ouvre épingle, gauche. Alors, on le tente. 60 mètres. Ouais, non. Droite léger. Pour gauche 6, ferme. Droite 3, 60 mètres. Gauche 4, sur série de bosses, 50 mètres. Droite 4, bref, 30 mètres. Gauche 3, bref, 60 mètres. Gauche 5, reste intérieur. Droite 4, gauche 3, 30 mètres. Droite 2, bref, 60 mètres. Gauche 5, ferme, 80 mètres. Gauche léger, bref, 180 mètres. Soulage, gauche 6, très long, 3, qui referme, 40 mètres. Droite 3, élan, 90 mètres. Gauche 5, ferme. Droite 2, bref, 50 mètres. Gauche 2, bref, 30 mètres. Droite léger. Droite 3, bref, 30 mètres. Gauche 4, 30 mètres. Gauche 4, 40 mètres. Droite léger. Au ciel. Dans gauche 6. Dans droite 4, 250 mètres. Gauche léger. Droite léger, soulage, 90 mètres, gauche 1, long, 40 mètres, équerre, droite, long, 60 mètres, gauche 4, bref, sur ciel, 90 mètres, droite léger, extra long, ah, c'est un veau, 60 mètres, oh, je me fais tuer, ah, je me fais enfumer. Droite 4, bref, sur arrivée, 70 mètres, et ah, j'aime bien le bruit du rupteur, par contre. Ok. Un score de 4 minutes, 45,4. Ouf, bien pété. Ah, combien je suis, je vais voir. Ah, 16 secondes, ouais, c'est un veau, elle avance pas. Voilà. Et là, pareil, hein, putain, tu sens pas trop de mouvement de caisse. Tu sens pas le train arrière glisser, tu arrives pas à le faire glisser. Bon, c'est pas extraordinaire, quoi, hein, jusqu'à présent. Allez, on va finir avec la Porsche. On va voir si c'est mieux. Le Porsche, ça glisse, hein, normalement. Hein. On va voir ça. Allez, le setup, donc, pour cette Porsche 911. Alors, un peu d'ouverture, un peu d'ouverture devant, hein, pour la forcer un peu à glisser du train arrière. Hein, beaucoup de carrossage. Zéro de parallélisme et d'ouverture, enfin, de pincement et d'ouverture derrière. Beaucoup de carrossage derrière, dû au poids du moteur en porte-à-faux. Et un peu plus devant aussi. Les freins, comme d'habitude, hein, aucun changement. La boîte pas touchée, le différentiel fortement durci. Ouais, fortement durci là et là, parce que sinon c'était trop mou. Ils sont plus bas d'origine. Bon, les amortisseurs aussi, hein. Ouais, après c'est des voitures, je vous l'ai dit, hein, où il y a très peu de réglages. Hein. Le pire c'est dans la Manta, où tu peux carrément pas régler l'arrière. Et les ressorts, voilà, et ça change pas. Hein. Il y a quelques nuances en fait, c'est vrai à chaque fois dans le setup, mais globalement, les grandes lignes sont toujours les mêmes. Après, c'est par petites touches qu'on met plus derrière, plus devant pour avoir affiné le comportement, mais sinon, les grandes lignes sont toujours les mêmes. Allez, on y va. Direct 90 mètres, gauche 3, bonne chance. Allez, fais voir un peu l'absence, ce que ça vaut. Allez, le bruit du flat 6, il est bien rendu aussi. 5, 4, 3, 2, 1, top, 90 mètres. Gauche 3, tard, long, ouvre et ferme. 160 mètres. Oui, effectivement. Droite 3, long, ouvre. Pour gauche 6, frein. Ah, quand même. Pour droite 1, tard, 90 mètres. J'ai quand même pu me faire une petite glissade. Gauche 2, long. 40 mètres, droite 4, pas corde. Dans gauche 5, élan. Dans droite 4, pas corde. Pour droite 5, 50 mètres, soulage. Gauche 6 sur ciel, 30 mètres. Attention, droite 3, équerre qui referme. 30 mètres, gauche sur ciel, 40 mètres. Gauche 4, élan, pas corde, 40 mètres. Droite 6, gauche 6, 80 mètres. Soulage, droite 5, ferme, 30 mètres. Gauche 1, élan.
90 mètres. Droite 5, ferme. Pour gauche 3, accorde. 30 mètres. Droite sur ciel. 120 mètres, soulage. Attention, droite léger, long. 6 qui referme. Pour gauche, elle glisse un peu plus que les deux autres, celle-là. Même c'est un vous aussi. Hein. Droite 5, bref, 60 mètres. Droite 4, ouvre, 100 mètres. Attention, droite 3 sur ciel, Milan, 80 mètres. Droite 4, ferme, 40 mètres. Gauche 4, Milan, 30 mètres. Gauche 1, tard, 70 mètres. Gauche léger, 60 mètres. Soulage, gauche léger, long, 50 mètres. Droite 4, reste intérieur, 70 mètres. Tard, gauche 3, bref. Pour droite 6, 80 mètres. Frein, droite 5, 30 mètres. Gauche 4, bref, ferme. Pour droite léger, 80 mètres. Droite 4, long. 3 qui referme, long. Gauche 5. Ouh, long. Referme, referme. Ah, ouais, ouais. 1 qui referme, reste intérieur. Pour droite léger, 90 mètres. Droite 3, long. Dans droite 6. Pour gauche 4, tard, ferme. Sur droite 3, bref. Pour gauche 2, ferme, 50 mètres. Droite 2, long, ouvre, 50 mètres. Gauche léger, bref, 60 mètres. Soulage, droite 6 sur ciel, long, pour ciel, 60 mètres. Ouvre, épingle gauche. 60 mètres. Ouais, si on veut. Droite léger. Ah, je sentais en glisse. Droite 3, 60 mètres. C'est déjà ça. Gauche 4 sur série de bosses. Ouf. 50 mètres. Droite 4, un bref, peu large, mètres. Gauche 3, bref, 60 mètres. Gauche 5, reste intérieur. Pour droite 4. Pour gauche 3, 30 mètres. Droite 2, bref, 60 mètres. Gauche 5, ferme, 80 mètres. J'arrive un peu vite, ça va. Gauche léger, bref, 180 mètres. Ben finalement, c'est la plus marrante à piloter. Soulage, gauche, pas 6, la plus rapide. Long, 3 qui referme, 40 mètres. Droite 3, mi-long, 90 mètres. Gauche 5, ferme. Droite 2, bref, 50 mètres. Gauche 2, bref, 30 mètres. Droite léger. Droite 3, bref, 30 mètres. Gauche 4, ouvre, 30 mètres. Gauche 4, 40 mètres. Droite léger, pour ciel. Dans gauche 6. Dans droite 4, 250 mètres. Gauche léger. Pour droite léger, soulage, 90 mètres. Gauche 1, long. 40 mètres. Équerre droite, long. 60 mètres. Gauche 4, bref sur ciel, 90 mètres. Droite léger, extra long. Finalement, c'est la plus marrante. 60 mètres. À piloter. Bon, c'est pas la plus rapide, hein. C'est sûr, hein. Mais le but, c'est quand même de se faire plaisir. Voilà, bon, M3, elle fait 150 chevaux de plus. Donc, c'est normal qu'elle soit un peu plus rapide, mais bon. Ouais, ben écoutez. Franchement, un peu déçu, voilà, par cette catégorie et par les propulsions en général. Hein. J'ai déjà fait une vidéo avec la M330 et j'avais été déçu que ça glisse pas. Malgré que la M330, quand même, tu arrives à la faire glisser plus facilement. Celle-là, surtout la 037, sont un peu trop collées par terre à mon goût. Donc je pense pas que c'est, je trouve pas que cette catégorie est très réussie. Bon, c'est agréable à piloter, c'est plaisant, mais celle qui se rapproche le mieux. Le plus du comportement d'une propulsion, mais c'est la Porsche, hein, avec son moteur en porte-à-faux derrière, c'est un peu normal, et celle qu'on peut à peu près faire glisser plus ou moins comme on veut. Mais sinon, ouais, je pense que ouais, ça manque un peu de saveur, c'est un peu insipide cette catégorie. Groupe B propulsion, on aurait aimé un peu plus de fantaisie, hein, et pouvoir un peu plus se faire de glisse à l'accélérateur. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fin et tech à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo, et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !